La fille. Ah, c'est pas moi. J'ai une main dans les poches, mais non. Non, mais c'est joli, c'est très bien. Les coupables sont là devant. Tant mieux. Tenez, vous installez là. Et là, on va l'attendre aussi. Hein. Les bottes étaient de rigueur. Non, elle était lisse. Parce que quand on a mal comme moi, on n'aime pas les chaussures qui font mal. C'est bon ? Oui. C'est bon ? Oui. Le compte est bon ? Eh bien, ça tombe bien. On va pouvoir y aller. Allez, Valérie, à toi. Le 10 novembre 2023, à 16h, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Éric Michel Charles Pivès, retraité, né à Cherbourg, Manche, le 14 mai 1959, domicilié à Vieille-Libeville, Calvados, 4 places des Coquelicots, fils de Charles-Georges Pivès et de Yvonne Catherine Maria Sauvé, et Béatrice Laurence Paulette d'Aigremont, secrétaire de direction, née à Caen, Calvados, le 4 mai 1970,
domiciliée à Viville-Beuville, Calvados, 4 place des Coquelicots, fille de Gérard Eugène Noël d'Aigremont, retraité, et de Jacqueline Louise Marie-Thérèse Delaunay, retraitée, domiciliée à Saint-Sylvain, Calvados, 45 rue des Canadiens. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 19 septembre 2023 par maître Mathieu Fatoume, notaire à Caen, Calvados. Donc, conformément au rite du mariage, donc, je vais vous demander de vous lever pour vous lire les articles qui sont liés donc, au mariage. Vous tous se lever ? Ah non, non ! Non. Et puis après, quand on tape, tout le monde s'assoit. Non. C'est une simple journée, s'assoit, nous on se lève. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, elles y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants pour les protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Donc, ça, la partie, je dirais, pure et dure de l'affaire. Là, on va passer aux choses beaucoup plus sympathiques. Donc, Monsieur Éric Michel Charles Pilbès, voulez-vous prendre pour épouse Madame Béatrice Laurence Paulette d'Aigremont, ici présente ? Oui. Madame Béatrice Laurence Paulette d'Aigremont, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Éric Michel Charles Pilbès, ici présent ? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Ah bah alors, là. Bravo ! Vous avez bien applaudi, vous pouvez tous vous lever, non. Valérie va finir. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage en présence de Emmanuel Hym, ingénieur informatique, domicilié à Saint-Comté, Calvados, de Anne-Claire Goron, aide à domicile, domiciliée à Troarn, Calvados, de Virginie Lemasson, épouse U, sans profession, domiciliée à Plumeray, Morbihan, et de Virginie Rougereau, épouse Bras, vendeuse à domicile indépendante, domiciliée à Perpignan, Pyrénées-Orientales, témoin majeur. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins, signés avec nous, Françoise de Slaubert, maire adjointe de Viville-Beuville, officier de l'état civil. Voilà, donc pour nous, c'est terminé, pour vous, ça commence, hein, les festivités. Merci à vous. Et donc, on va faire signer d'abord les mariés. Voilà. Encore une fois, j'aurais dû mettre mon. Non, j'ai oublié mon deuxième nom. C'est pas grave, Madame de Slaubert. Ah non, pas. Vous voulez le remettre ici ? Oui. Allez-y. Non, bah, c'est pas grave. Voilà, on va passer au témoin. Allez-y. Oui, très bonne initiative. Monsieur.
Les deux. Allez-y, c'est demain. Pardon. Parce que demain, on commence. Merci. Voilà, alors tout ça c'est pour vous, le livret de famille, le certificat de célébration, et puis les actes, les extraits d'actes de mariage à l'intérieur, je mets tout ça comme ça. Et puis donc, je vous disais tout à l'heure, donc la coutume à Denis-Deville, c'est d'offrir un bouquet pour la mariée, et des chocolats pour le marié. Que bravo, je demande bravo. De partager avec la mariée. Voilà. Bon, bah, écoutez, passez une bonne soirée. Merci. Et puis, si vous voulez prendre des photos à l'intérieur, parce que dehors, j'imagine que ça va pas être comme ça, on vous laisse la salle à disposition. Hein, voilà. Et les documents, on les revient à qui? Pour les